Bonjour, je suis heureux de vous retrouver avec Gordon et nos invités, les pasteurs Omer et Nadine Kamouya. Très heureux de vous retrouver dans cette semaine sur la restauration de la famille. Et aujourd'hui, on va parler de la rébellion, de l'amertume qui seront vaincues dans votre famille. Et là, une petite pensée que j'ai à partager avec vous, ça se trouve dans Actes chapitre 10 et au verset 13. C'est le Seigneur qui parle à Pierre. Il est écrit « Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur ». Et parfois, la rébellion, c'est simplement un manque de communication ou de compréhension de la part de nos enfants. Et je pense que plusieurs d'entre vous, le Seigneur veut simplement vous dire que cette rébellion qui est née dans le cœur de votre enfant, c'est parce qu'il ne comprend pas quelque chose. Peut-être qu'il vit une situation dans sa vie personnelle qu'il ne vous a pas partagée et il voit des choses qui n'ont peut-être même rien à voir avec vous. Et à cause de cela, ça crée du stress en lui, de l'anxiété peut-être même, des incompréhensions et peut-être que votre enfant s'isole et se retire. C'est parce qu'en fait, il ne comprend pas. Et cette situation le dépasse, mais aussi ça peut être à cause de choses que vous avez faites et il ne comprend pas non plus. Donc, vous lui demandez un ordre, un peu comme ici, le Seigneur dit à Pierre, eh bien, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non, Seigneur. Parce qu'en fait, Pierre ne comprend pas la parole au départ et il va dire « Non, Seigneur ». Donc, ça a l'air d'être une rébellion, mais en réalité, c'est juste que Pierre ne comprend pas. Il a besoin de comprendre. Bien sûr, il a besoin d'obéir et d'avoir un cœur qui est ouvert, mais parfois, c'est simplement un manque de communication. Alors, je prie que vous ayez des bons moments avec vos enfants, pas seulement être et manger avec eux, et c'est déjà bien parce que malheureusement, beaucoup de gens ne mangent plus avec leurs enfants. Mais au-delà même du fait de manger ou des choses obligatoires, peut-être vous amener votre enfant à l'école, mais d'avoir des temps également de partage, de communion, où vous lui parlez, vous l'éduquez, vous l'instruisez, vous riez, vous jouez avec. Et ce sont des temps qui sont importants. Nous, les parents, être parent, ce n'est pas un métier. Être parent, c'est une grâce, c'est une relation qu'on a avec un enfant. Et de la même façon qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas un métier. On n'est pas, ou le fait d'être chrétien, c'est pas un métier, c'est pas quand on est chrétien, ben maintenant il faut plus faire ci, il faut plus faire ça. Non, être enfant de Dieu, c'est une relation avec notre Père, et je prie que vous puissiez vivre cette relation au point où votre enfant, bien, il pourra dire comme Pierre à la fin, Seigneur, oui, j'ai compris et je vais obéir. Alors que Dieu puisse vraiment ouvrir nos yeux si on a par nos choix, nos façons de faire, notre manque de communication, peut-être même d'amour, de manifestation de notre amour envers nos enfants, qu'ils puissent ouvrir nos yeux et qu'on puisse à nouveau agir dans la sagesse divine. Avec vous, on va parler de l'amertume, la rébellion qui sont parfois dans les familles. On va déclarer ensemble que ces choses seront vaincues au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, effectivement. Donc, vivre ensemble, en fait, c'est vivre en famille, comme on dit, c'est long, on ne s'est pas choisi, mais on se retrouve ensemble et notre famille bâtit une histoire. Et il arrive un moment où les enfants doivent quitter le toit paternel ou le toit de la famille pour voler de leurs propres ailes. Et c'est là que les relations, en fait, sont testées. Je suis venu vous dire aujourd'hui que c'est possible que votre famille guérisse des traumatismes qu'elle a subis. C'est possible de guérir de l'amertume. C'est possible de guérir de la rébellion. C'est possible de revenir ensemble. Et pourquoi est-ce que souvent on va vivre ces choses? C'est qu'on avait des attentes dans les relations et ces attentes n'ont pas été satisfaites. Lorsque la sœur d'Absalom a été violée et a été humiliée par son demi-frère, Absalom avait des attentes envers David et Absalom n'a pas trouvé, c'est David qui a satisfait ses attentes et Absalom s'est rébellé. Mais avant ça, c'est qu'Absalom avait vu David aller avec Bathsheba. Donc l'enfant avait été exposé à quelque chose auquel il ne devait pas être exposé. L'enfant a été exposé à un scandale qui fait que le respect qu'il avait eu envers son père, il n'avait plus ce respect-là. Et quand l'affaire de Tamar est arrivée, il dit « mais c'est toujours la même personne qui gêne ma vie ». Et peut-être en tant que parent, vous avez eu un comportement qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne veulent plus avoir une relation avec vous. J'aimerais vous dire que c'est possible, Dieu peut vous restaurer. Amen. Peut-être que vous avez eu un manque. Ce n'est pas que vous vous êtes méconduit, mais peut-être que les enfants ont grandi dans la pauvreté et ils auraient voulu avoir des choses qu'ils n'ont pas eues.
Et en force de se comparer avec des amis, eh bien, l'amertume est née dans leur cœur pour dire, ben, si tu avais peut-être plus d'argent, j'aurais pu avoir. Dieu peut vous restaurer. Mm-hmm. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là dans une condition au niveau de la famille. Les enfants ont assisté à des scènes de ménage entre vous et la maman. Et ces enfants ont été marqués au fer rouge. Et autrefois, vous avez pu les maîtriser par votre autorité. Mais aujourd'hui, c'est des grands, c'est des messieurs. Et ces relations des familles sont détruites. Nous sommes venus vous dire aujourd'hui, c'est un jour pour un nouveau départ. Dieu est le restaurateur des familles. Il dit que Jérusalem sera rebâtie. Elle sera rebâtie sur des ruines. J'aimerais vous dire que les mêmes pierres dont l'ennemi s'est servi pour détruire votre famille, Dieu peut reprendre ces mêmes pierres et vous donner une famille bâtie et une famille glorieuse. C'est pour cela que Dieu se sert même de Salomon, un enfant qui est né de Bathsheba. Bathsheba qui est rentré dans la famille de David par un scandale. Et pourtant, c'est l'enfant qui est né de cette relation-là, le second enfant que Dieu va se servir comme roi. Ça veut dire que Dieu peut vous restaurer, qu'importe la forme et le moyen de votre famille. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment demander au Seigneur d'intervenir dans votre famille pour qu'il y ait une restauration, pour que les cœurs s'ouvrent, pour que cette amertume, peut-être des jouets que vous auriez voulu avoir, des sorties que vous auriez dû faire, qui n'ont pas été faites, mais que Dieu puisse vous guérir de cela. Et comme Joseph, que vous puissiez pleurer dans la réconciliation. Quelle belle image aujourd'hui. Amen. Lorsque nos enfants deviennent adultes, c'est vrai que des choses peuvent arriver où est-ce que justement leur regard, des choses qu'ils avaient à l'enfance, ils ont peut-être accumulé des choses. On a parlé hier des injustices, du favoritisme et peut-être des choses qu'ils ont vues. Et à l'âge adulte, ils se disent en fait, mon papa, c'est pas vraiment l'héros que je pensais. Ma maman, c'est peut-être pas une héroïne, c'est une femme ordinaire. Et l'enfant arrivé à l'âge adulte regarde peut-être son parent de haut. Comme Michal qui a vu son mari danser et elle a regardé de haut. Le même mari que hier, elle disait « Waouh, c'est mon mari, c'est ce grand conquérant, ce grand guerrier. » Elle a regardé de haut parce qu'elle a vu dans une autre position. Et vraiment, je veux prier aussi pour les enfants adultes qui, maintenant que vous êtes devenus adultes, vous regardez vos parents de haut. Il y a de l'amertume qui est là et il y a une distanciation. Vous ne voulez plus être rattaché à ces gens-là. Vous ne voulez plus qu'on vous cite dans la même phrase parce que vous, vous avez étudié, parce que vous, vous êtes à un autre niveau. Et vos parents pleurent sur cette relation en se disant, mais tiens, c'est mon enfant que j'ai mis au monde, c'est mon enfant que j'ai peut-être aidé, avec qui j'ai marché. Aujourd'hui qu'il est à l'âge adulte, il ne veut plus m'appeler, il ne m'appelle plus, il ne vient plus me rendre visite. Et vraiment, je prie que ce que l'ennemi a semé, la division, l'amertume, peut-être que vous vous dites maintenant que vous êtes adulte, vous n'allez pas faire les erreurs que vos parents ont fait. Vous n'allez pas faire ce que votre mère a fait. Vous n'allez pas faire ce que votre père a fait. Et c'est vrai, c'est bien de vouloir dire on va partir sur de nouvelles bases. On ne va pas répéter les erreurs du passé. Mais n'empêche que la Bible nous dit d'honorer nos parents, d'honorer son père et sa mère, qu'il y a une promesse qui est attachée à l'honneur que nous donnons à nos parents. Et ma prière, c'est que alors que vous êtes adulte, alors que peut-être vous pouvez regarder en arrière et regarder et voir des erreurs que vos parents ont commises, de voir des manques peut-être dans leur caractère, des failles, mais qu'à l'âge adulte, que Dieu vous inspire quand même à les honorer. Il y a une façon que vous pouvez honorer vos parents aujourd'hui. Il y a une manière que vous pouvez les honorer, quand bien même leur comportement, leur façon de vivre ne vous plaît pas, mais parce qu'ils sont vos parents, il y a un honneur que la Bible nous demande de leur donner. Et vraiment, je veux juste prier pour vous qui êtes adultes aujourd'hui, qui reconnaissez que vous n'avez plus d'attache avec vos parents en fait. Vous pouvez faire une année sans les appeler, vous pourrez passer des mois sans les rendre visite, ça ne vous fait rien en fait. Et je veux vraiment prier que Dieu vienne restaurer, que Dieu vienne ouvrir les yeux, pourquoi mettre la lumière, pourquoi ces relations sont brisées et qu'il vienne les restaurer par sa puissance. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes aujourd'hui de parler de ce sujet tellement précieux, ce sujet tellement important. Seigneur, tu connais les parents qui pleurent sur leur relation avec leurs enfants adultes, les parents qui attendent le dimanche après-midi
pour un appel, pour une visite. Les parents qui soupirent après un texto, après un mail, après un SMS ouais. de leur enfant qui est adulte, qui est trop occupé pour penser à eux, qui est trop occupé pour les amener voir les petits-enfants. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses ouvrir les yeux, que tu puisses ouvrir les yeux devant peut-être des mensonges que l'ennemi a semés, de l'ivraie que l'ennemi a semé, comme l'ivraie qui a été semée oh. avec le blé qui ont poussé en même temps. Maintenant est le temps de la récolte. Maintenant est le temps d'arracher l'ivraie. Et nous venons arracher l'ivraie de mensonges que l'ennemi a semé dans le cœur des enfants oui. depuis qu'ils étaient petits, à regarder les parents avec mépris, peut-être à regarder les parents dans leurs failles, dans leurs manques. Aujourd'hui, qui sont à l'âge adulte, ils ne sont plus en mesure d'avoir une relation avec leurs parents. Je prie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu viennes enlever cette ivraie, que tu viennes enlever cette ivraie, que tu viennes enlever ces mensonges, que tu viennes enlever cette perception qu'ils ont de leurs parents, cette perception qu'ils ont des erreurs que leurs parents ont pu commettre. Seigneur, enlève l'amertume qui cause la division. Seigneur, je prie que tu révèles à tes enfants comment honorer leurs parents, comment honorer un parent, comment le fils de Noé a su honorer Noé, combien même Noé avait eu un manque. Seigneur, montre-nous, montre à ces gens, montre à ces personnes comment ils peuvent encore honorer leurs parents maintenant qu'ils sont adultes. Merci Seigneur parce que tu restaures les relations, tu amènes le pardon, tu amènes la repentance, tu amènes ton amour Seigneur Dieu pour restaurer ces relations qui sont brisées dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour un esprit de gratitude. Il y a quelqu'un à qui l'Esprit de Dieu est en train de dire tes parents ont payé pour ton éducation, mais tu es parti. Tu ne leur parles plus, mais tu n'as jamais dit merci. Et Dieu te demande d'avoir vraiment cet esprit de gratitude. Et nous allons prier. Oui, en tant qu'enfant, nous avons vu des choses, nous avons vécu des choses qui ont de l'amertume. Mais le Seigneur nous demande aussi d'avoir de la gratitude. Mm-hmm. De la gratitude pour ses parents qui ont toujours mis la nourriture à table. La gratitude pour ses parents qui se sont débrouillés avec les moyens de bord pour que nous puissions nous nourrir, nous vêtir pendant tout ce temps. Et si on n'a pas ce regard de la gratitude, c'est très difficile d'enlever tous ces venins de l'amertume et de la rébellion. Il y a un esprit de guérison qui va venir à partir du moment où tu commences, même dans tes pensées, juste à dire merci. Merci parce que je suis né de mon père. Merci parce que je suis né de ma mère. Merci Seigneur parce que toute ma vie, ils ont pourvu juste mettre la nourriture à table. Seigneur, répands un esprit de gratitude parmi tes enfants. Répands un esprit de gratitude, Seigneur. Oui, Seigneur, nous n'avons pas eu des parents qui sont parfaits. Nous n'avons pas eu des parents qui nous ont toujours montré l'exemple. Mais Seigneur, ces parents ont au moins été là. Ils ne sont pas décédés, ils étaient là. Ils ont mis la nourriture à table. Ils ont mis ce qu'ils pouvaient pour notre éducation. Et aujourd'hui, Seigneur, plusieurs aujourd'hui ont réussi dans la vie, mais semblent oublier leurs parents. Et nous prions pour un esprit de gratitude. C'est l'esprit de gratitude qui fera fuir l'ingratitude, l'amertume de se rappeler juste des mauvais souvenirs. Et nous prions, Papa, alors que nous sommes en train d'intercéder pour nos bien-aimés, pour que, Seigneur Dieu, cette façon de voir, de se rappeler juste les mauvais souvenirs que l'ennemi a plantés, juste de se rappeler des mauvais souvenirs, puissent s'enlever de leur esprit. Jésus. Cette confusion que l'ennemi sème dans leur esprit puisse être enlevée. Que, Seigneur, ils voient maintenant, qu'ils voient aussi les bons côtés, les sacrifices d'un parent qui s'est levé la nuit, un parent qui est resté debout avec l'enfant alors que l'enfant était malade, un parent qui est resté pour nourrir l'enfant, un parent qui a accompagné l'enfant, qui a fait ce qu'il pouvait. Oh, éternel Dieu des armées, répands un esprit de gratitude dans le cœur des parents, dans les cœurs des enfants. Répands un esprit de gratitude alors qu'ils sont en train de suivre, Seigneur Dieu, cette session et qu'ils se souviennent des paroles peut-être négatives que les parents ont dites. Mais montre, Seigneur, dans leur cœur qu'aux paroles négatives, il y a eu d'autres paroles qui ont été dites. Seigneur Dieu des armées, ouvre les écluses des cieux. Je prie, Seigneur, alors que nous sommes en train de prier en ce moment, que les cœurs puissent fondre. Car tu dis dans le livre de Malachie que tu ramèneras le cœur des enfants aux parents, mais le cœur des parents aux enfants. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de la réconciliation.
Ah, éternel Dieu des armées, répands l'esprit de gratitude, répands l'esprit de reconnaissance, tourne le regard des enfants pour que les enfants voient les sacrifices d'un parent. Qu'est-ce qu'un parent doit endurer pour qu'un enfant arrive à l'âge adulte? Qu'est-ce qu'un parent doit accepter comme perte, comme sacrifice, même au niveau de son salaire, pour que les enfants arrivent? Je prie, Seigneur, que cet esprit pénètre le cœur, l'esprit de gratitude qui pénètre les cœurs, qui pénètre les pensées. Seigneur, fais ton travail dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons aussi prier maintenant pour les enfants. Alors qu'on parle de l'amertume et de la rébellion, la Bible dit dans Jérémie 31, verset 17, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » En ce moment, beaucoup de jeunes sont tentés et il y a de la rébellion dans les maisons. Je pense particulièrement au choc des générations, des parents qui sont beaucoup âgés par rapport à l'âge de leur enfant. Et il y a incompréhension entre le papa de 52 ans et la petite, la jeune fille de 14 ans. Il y a incompréhension, il y a rébellion, il y a pas de zone de communication qui est fluide. Mais nous allons prier maintenant contre la rébellion. Nous allons dire que oui, vos enfants reviennent dans leur territoire. Oui, nous allons dire que oui, vos enfants ne sont pas happés. Le monde ne vous happe pas vos enfants. Oui. Le monde ne vous arrache pas vos enfants. Vous ne perdez pas vos enfants au monde. Nous déclarons, nous allons prier avec vous. Pour vous les mamans et les papas qui en ce moment, vous luttez avec vos enfants. Et peut-être qu'on vous dit, c'est la crise d'adolescence. Non, il n'y a pas de crise dans votre maison. Non, il n'y a pas de crise. Il y a de Amen. L'harmonie. Amen. Il y a de la compréhension. Il oui. y a de l'amour, il y a de l'unité. Nous allons fermer les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir pour s'immiscer, pour mettre la zizanie, la division, les cris de la maman avec sa fille, du fils avec son père. Nous allons refuser cela dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous venons devant toi maintenant. Avec tous ces cas, Seigneur Dieu, de ces enfants, de ces jeunes qui sont peut-être rebelles envers leurs parents, qui ont peut-être entendu autre chose, que le monde leur offre une liberté. Le monde veut les séduire avec une autre philosophie, une autre façon de penser, une façon de penser qui leur dit que leurs parents sont vieux jeux, que leurs parents sont dépassés, que leurs parents sont d'une autre génération. Seigneur, je prie que maintenant, le cœur de ces enfants soit doux, que leur cœur s'attache à leurs parents, que leur cœur s'attache à toi, Seigneur Dieu. Comme le jeune Isaac, malgré la différence d'âge avec son père Abraham, il a suivi, il a dit, mon père, où est le sacrifice? Abraham lui a dit, Dieu se pourvoira. Il a suivi son père, il a été obéissant. Seigneur, je prie que tu mets dans le cœur de ces jeunes un cœur qui t'obéit, un cœur qui est sage, un cœur qui veut t'honorer, Seigneur Dieu. Oui. Seigneur, je prie que maintenant, aucune crise identitaire ne vienne troubler les foyers. Aucune crise identitaire ne vienne troubler ces jeunes, mais qu'au contraire, ils se distinguent comme les Daniel de leur génération, comme les Meshach, Shadrach et Abednego de leur génération, qui ne se prosternent pas devant les dieux de ce monde, devant la pornographie, devant la musique, devant la mode, toutes ces choses, Seigneur, qui peuvent les amener sur un autre chemin, mais qu'au contraire, Seigneur, ils se restent attachés à toi. Attaché à ta parole, attaché à ta vérité. Amen. Seigneur Dieu, merci parce que les familles ne vivent pas de la rébellion. Merci Seigneur Dieu parce que les lignes de communication sont ouvertes. Yes. Elles sont fluides entre les parents et les enfants. Elles sont fluides, Seigneur Dieu. Elles sont fluides, Seigneur. Merci parce qu'il y a l'amour. Merci oui. parce qu'il y a le respect. Oui, oui Seigneur Dieu, nous on prions. Des parents, Seigneur, qui n'irritent pas leurs enfants oui. et des enfants qui obéissent à leurs parents. Oui, Seigneur, nous prions pour l'ordre divin dans les foyers, l'ordre divin dans les maisons. Merci, ô Dieu, parce que tu fermes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Oui. Les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir sont fermées oui. maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta sagesse, je prie pour ton discernement. Oui. Alors que les parents écoutent cette prière, alors qu'ils prient avec nous oh. par rapport à leurs enfants, oh. tu leur donnes un discernement, tu oui. leur donnes une sensibilité par rapport à leur enfant, une sensibilité de comment parler à l'enfant, comment l'approcher, quand lui parler, comment le toucher, Seigneur Dieu. Merci parce que tu donnes aux parents une nouvelle sensibilité, une sensibilité que seul ton Saint-Esprit peut donner. Oh oui, Seigneur, nous reconnaissons
que ces enfants sont un cadeau que tu nous as donné. Et Seigneur Dieu, nous voulons déclarer dans la vie de nos bien-aimés que leurs enfants reviendront dans leur territoire. Nous déclarons dans la vie de nos bien-aimés qu'aucun n'est perdu, aucun enfant n'est perdu. Jésus, tu as dit que tu n'as perdu aucune des brebis. Ouais. Seigneur, nous déclarons qu'aucun n'est perdu. Aucun n'est perdu au monde. Aucun n'est perdu à la drogue. Aucun n'est perdu à la débauche. Aucun enfant n'est perdu. Aucun enfant n'est perdu, Seigneur. Mais chaque enfant épanoui, chaque enfant grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oui, Seigneur, c'est la déclaration que nous faisons sur la vie des enfants de nos bien-aimés. Ils grandissent en sagesse, en stature et en grâce. Merci, Seigneur, pour ta main. Merci pour ta main bienveillante qui est sur les foyers de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle et tu es là. Amen. Alléluia. Père, je prie pour les personnes qui ont de la difficulté à faire grâce à leurs parents ou à faire grâce à leurs enfants. Ta parole nous encourage à nous faire grâce réciproquement. Mmh. Il t'écrit que la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Et Père, nous prions que cette grâce puisse se manifester. Je prie pour vous si vous avez de la difficulté à faire grâce à vos parents. Vous avez peut-être jugé votre père parce qu'il a trompé votre maman ou vice-versa. Et au lieu de manifester de la grâce, vous avez été très sévère et très dur. Et il est vrai que le péché, c'est quelque chose de mauvais, de très mauvais. Mais Dieu nous encourage à faire grâce. C'est lui qui juge. Et je prie pour vous que vraiment cette grâce puisse se manifester à la façon dont vous avez été pardonné par Christ, votre Sauveur. Que de la même façon, vous puissiez aussi pardonner à ce qui a été fait. Faites grâce au nom de Jésus-Christ. Faites grâce. Que la miséricorde vienne triompher du jugement qui est le vôtre, parce que le Seigneur utilisera sinon la même mesure que vous avez utilisée pour juger votre père, pour juger votre mère, pour vous juger vous-même. Alors que ce ne soit pas votre partage, mais qu'au contraire vous puissiez faire grâce dans le nom du Seigneur, parce que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à Pierre, il ne comprenait pas. Et des fois, il y a des situations qui arrivent dans la famille et on juge ces situations des années après. Mais on ne sait pas ce qui se passait. Mm-hmm. Et peut-être qu'on est juste avec un parent maintenant et qu'il ne nous dira pas ces choses parce que c'est intime aussi. Et il ne veut pas nous le dire, il ne veut pas nous l'exprimer. Ou peut-être que la personne n'est même plus là pour nous le dire. Mais ne jugeons pas parce qu'on ne peut pas bien comprendre la chose à moins que le Saint-Esprit lui-même ne nous le dise. Sinon, on est dans la devinette, on essaie d'imaginer, on croit que, on pense que, à cause de notre expérience de vie, peut-être maintenant, on s'imagine qu'on peut juger. Mais en fait, on ne sait rien. Si ce n'est pas Dieu qui nous parle et qui nous montre clairement les choses, Dieu sonde le cœur de l'être humain. Alors faites grâce vraiment à cette personne, faites grâce à vos parents, c'est tellement important. Amen. Et alors qu'on parle de la rébellion et de l'amertume, en fait j'ai la pensée qu'il y a des parents qui aujourd'hui, je vois une femme en fait qui élève ses enfants et qui rencontre de la rébellion en fait au niveau de ses enfants. Et elle accepte ça en se disant qu'elle aussi, elle a été une enfant qui était difficile. Elle a été une enfant qui était très compliquée, qui a causé beaucoup de tort à ses parents, à elle. Et elle se dit, je mérite en fait. Non. Et en fait, la position que vous devez prendre, c'est d'abord de vous repentir et de demander pardon à vos parents, mais de fermer cette porte, de dire que non, la rébellion ne va pas, l'histoire ne va pas se répéter avec vos enfants. Ce n'est pas parce que vous, alors que vous étiez adolescente, vous avez eu des écarts, alors que vous étiez adolescente, vous avez commis des erreurs, que automatiquement vous devez récolter cela dans votre vie. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la parole de l'ennemi qui veut vous mentir pour vous garder dans une chaîne perpétuelle de dégâts dans votre famille. Mais non, ce que vous avez commis, vous, quand vous étiez adolescente, c'est du passé. Vous avez grandi, vous êtes repenti, vous êtes maintenant une adulte. Vous marchez dans les voies de Dieu. Alors vraiment, je vous encourage à ouvrir votre discernement spirituel, Amen. À dire, Seigneur, ouvre mes yeux sur des choses que j'accepte peut-être comme étant naturelles, mais ce n'est pas naturel. Là, c'est un esprit qui essaie de me suivre, ouais. qui ne m'a pas eu alors que j'étais adolescent, n'a pas réussi à me terminer, à terminer ma vie et veut se répéter dans la vie de ma fille, mais je le refuse dans le nom de Jésus. Yes. Refusez cela dans le nom de Jésus. Levez-vous maintenant dans votre maison, alors que vos enfants sont à l'école, alors que vous êtes toute seule dans la maison. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Vous étiez en train de repasser, vous étiez en train de cuisiner, déposer ces choses et prier maintenant, alors que cette révélation, cette parole vous dit, c'est à vous, le Saint-Esprit vous dit, c'est de toi qu'on est en train de parler. Laisse ce que tu es en train de faire.
prie maintenant, prends autorité. Va dans la chambre de ta fille, prie, prie sur ses vêtements, prie sur ses affaires, prie, prends autorité. Si le Seigneur te convainc, si tu ne l'as jamais fait, à appeler tes parents, à demander pardon, fais-le avec foi. Fais-le avec foi et ferme de façon définitive ces portes de rébellion dans ton foyer. J'aimerais continuer à dire, vous savez, alors que tu entends cette parole, tu dis, mais je l'ai déjà fait dans le passé, puis ça n'a rien changé. Tu ressembles à Pierre qui avait péché toute une nuit. Et parfois, il y a des opérations qu'on fait, et puis on dit, ça rapporte rien. J'ai déjà essayé, pas seulement avec les parents, parfois c'est avec un frère. Tu as essayé, tu as jeté les filets. Et oui, ça a été la nuit, tu n'as rien attrapé. Mais aujourd'hui, sur la parole que le Seigneur donne maintenant, amen. Si tu as la foi d'essayer, Dieu va passer dans l'autre camp et Dieu va fléchir le cœur comme le cœur d'Ésaü, à qui son frère a fait un grand tort, a été fléchi parce que Jacob sortait d'une nuit dans la présence de Dieu. Amen. Si tu écoutes, si tu veux obéir, Dieu va passer devant toi et il va faciliter cela afin qu'il y ait réparation et effectivement, tu n'as pas à subir ça. Parce que si tu laisses ça subir, ta fille va te faire subir ça et ça va se prolonger dans la famille. Que Dieu puisse vous visiter puissamment. Que Dieu amène dans votre famille un esprit de révélation pour que vous puissiez distinguer qu'est-ce qui est naturel de qu'est-ce qui est spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais juste élever la voix et prier pour vous encore une fois. Seigneur, merci parce que tu nous permets de nous tenir autour de ce sujet. Tu connais les familles qui sont disloquées en ce moment. Tu connais les frères et les sœurs qui ne se parlent plus à cause de l'amertume. Tu connais les enfants qui ont quitté le foyer, qui ont peut-être quitté en courant un après-midi, en sortie par la fenêtre, qui sont partis à l'école et qui ont choisi de ne plus revenir chez leurs parents. Seigneur, tu connais les parents qui pleurent sur les enfants qu'ils ne voient plus, sur les petits-enfants qu'ils n'ont jamais rencontrés. Toi, le Dieu qui fait une chose nouvelle, le Dieu qui restaure, le Dieu qui ramène, le Dieu qui bâtit avec un fondement solide. Seigneur, je prie, Seigneur, pour un vent de réconciliation. Je prie, Seigneur Dieu, que la rébellion est vaincue, l'amertume est vaincue, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il n'y a plus de cœur amer. Yes. Les racines d'amertume sont détruites, elles sont arrachées à la racine. Aucun bourgeon d'amertume. Aucun bourgeon ne subsiste, mais tout est enlevé, tout est arraché, Seigneur. Yes. Et maintenant, Seigneur, je plante avec la puissance du nom de Jésus, yes, l'amour véritable, amen, le pardon, l'unité, Seigneur Dieu, est plantée dans le cœur, la considération est plantée. Oui. Merci, Seigneur, parce que je plante, Seigneur Dieu, la gratitude, la reconnaissance, l'acceptation, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu le fais pour ses enfants. Tu l'es fait pour ses parents, ses frères et ses sœurs. Tu le fais, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux dont l'amertume et la rébellion ont produit des addictions. Père, nous prions pour une délivrance de l'alcoolisme maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a vu l'alcoolisme dans la maison de ses parents. Tu as grandi avec le dégoût de l'alcool et tu as dit que quand tu grandiras, tu ne boiras pas, mais tu te retrouves en train de boire. Que Dieu te délivre maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais terminer avec cette pensée. La plupart d'entre nous, on a vécu chez nos parents peut-être jusqu'à l'âge adulte, on va dire 20 ans. Ou... En tout cas, ils ont payé pour nous beaucoup d'argent. Ça a coûté, comme on le disait cette semaine. Ça a coûté beaucoup d'argent et il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Et devenu adulte, on reste avec ce cœur d'enfant assez ingrat. En tant qu'enfant, on ne pense pas trop à ça. Mais alors qu'on est devenu adulte, c'est maintenant important de pouvoir penser à nos parents et de pouvoir leur rendre aussi ce qu'ils nous ont donné. Juste vous donner un verset dans 1 Timothée chapitre 5. Au verset 5, la deuxième partie du verset... qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Je crois qu'on veut tous être agréables à Dieu. Et une des choses que Dieu trouve agréable, c'est vraiment, il trouve ça bien, il est béni quand on le fait, donc il trouve ça agréable,
c'est de payer de retour nos parents. Alors, je veux vous encourager, mes frères et mes sœurs, à prendre de l'argent et à faire un cadeau à vos parents. Offrez-leur peut-être un billet d'avion, peut-être un week-end dans un magnifique, je sais pas, un château ou quoi que ce soit, un week-end quelque part. Faites du bien à vos parents avec votre argent. Mettez de l'argent de côté. Ils ont payé pendant 20 ans peut-être pour vous, 18 ans pour vous, 16 ans pour vous. Prenez ce que le Seigneur vous a donné et bénissez vos parents. Et au-delà de l'argent, même avec le temps que vous pouvez passer avec eux, peut-être partir en vacances avec eux si c'est possible. Vous pouvez prendre une maison chacun, peut-être. Mais bénissez-les au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.